nobody saw. Wesh wesh les gars, comment ça va? Je vous propose un deal, alors écoutez moi, si vous avez besoin de crédit, alors allez sur fifaconstant.com et utilisez le code GALAXY pour obtenir 10% de réduction. Yo tout le monde, c'est Mahmoud, j'espère que vous allez bien les gars. Tout d'abord, si vous vous demandez pourquoi je me suis appelé comme ça, eh bien c'est très simple, la team Kajet a décidé de m'attribuer ce surnom assez bizarre. Je sais pas pourquoi les gars, je vais pas vous mentir, peut-être juste parce que je m'appelle Mehdi, ils ont décidé de m'appeler Mahmoud parce qu'ils trouvent ça plaidard. C'est juste un petit délire, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. En tout cas les gars, aujourd'hui on est de retour pour un autre épisode de la Pose d'un Champion. Et pour le premier match les gars, on va tomber contre une putain d'Iga BBVA avec Bale, Ronaldo, Neymar, Benzema, Kroos, Modric. Enfin des joueurs très très forts les gars. Mais ça ne va pas nous inquiéter, Müller va marquer Dès le début du match, et là vous voyez bien une occasion assez dangereuse de la part de mon adversaire, mais ça ne va rien faire. Et là vous voyez bien Immobilier qui va tenter sa chance après une contre-attaque éclair, cependant le gardien est bien placé, mais juste quelques instants après cette fois-ci, il va se rattraper et va marquer avec de l'extérieur du pied à la 25e minute. Ça fait 2-0, et là avec un magnifique donc shot de De Bruyne, sans souci, au calme. 3-0. Voilà, on a complètement dominé l'adversaire. Là, vous voyez bien encore, les occasions s'enchaînent. Cette fois-ci, on ne marque pas. Cependant, on va obtenir un petit penalty qui risque d'être très très dangereux. Et par la même occasion, vous voyez bien que Piqué a obtenu un carton rouge à cause de son mauvais tacle. Et cependant, on va prendre le penalty avec Ricardo Rodriguez. Mais au moment de ce penalty, eh bien, mon adversaire va décider de rage quitter. On est tombé contre une équipe très très forte, enfin, je veux dire avec des joueurs exceptionnels. Mais voilà, si jamais la personne ne sait pas comment utiliser le joueur, eh bien elle va mal jouer. Et comme voilà, je vous donne le parfait exemple, j'ai gagné avec une équipe qui coûte environ 15 000 crédits. Et là pour ce deuxième match, on va encore tomber contre une Iga BBVA. Cependant, cette Iga BBVA aussi est très cheatée. L'adversaire a très bien su comment jouer avec, comment contrôler ses joueurs. Vous voyez bien, pour notre première occasion, on va tenter notre chance avec Jackson Martinez. Donc oui, j'ai oublié de vous le dire, je vais jouer pour ce match avec notre équipe, notre beast hybride, avec Grandon et Martinez. Et là, voilà, en parlant de Martinez, voilà, avec il va placer une petite volée et ça va ça va faire un but, ça, à la 34e minute. Et là encore, les occasions vont s'enchaîner. Grandon qui va centrer à William Carvalho et ce dernier va placer une belle tête, ça fait 2-0. Et voilà, encore une victoire facile, hein, je ne vais pas vous mentir, ces derniers temps, les équipes sont très très efficaces. On va décider de jouer encore une fois avec cette équipe qui est voilà, très 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 cheatée, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Je vous invite à la voir si jamais, ce n'est pas, toujours pas le cas. Et là pour ce dernier match les gars, on va tomber contre la Bundesliga basique, hein, avec Neuer, Reus. Il manque Lewandowski, il manque un peu Robben peut-être. Mais voilà, c'est le cheat aussi, je vais pas vous mentir. Et pour la première occasion, voilà, je vous montre une petite occasion gag. Je sais pas ce qu'a fait Jackson Martinez. Cependant là, à 4e minute, vous voyez bien, Ramos qui a magnifiquement bien dribblé ma défense et qui va enchaîner avec un tir enroulé du pied gauche. Ça fait 1-0 à la 6e minute. Nous aussi, on tente de placer une tête, mais bien sûr, Neuer est bien positionné pour arrêter ce ballon. Et là, vous voyez bien Quaresma qui va faire un petit skill show. Il va tenter quelques gestes techniques. Ça marche bien avec le Magic Spin, le scooter. Il va passer à Jackson Martinez. Mais encore, Neuer intervient vraiment. Il va me faire chier pour tout cet épisode. Cependant, là, avec grâce à une petite erreur défensive, Randon va placer sa tête à la 27e minute. Ça fait 1-1. Et là, les gars, je vous laisse admirer un magnifique coup franc de Reus. Voilà, je ne pouvais pas l'arrêter. Reus, vous savez bien qu'il est un spécialiste des coups francs et donc il pourra marquer même de très 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 loin. Et voilà les gars, je vous dis que voilà, l'adversaire a très très bien joué. Là encore Reus avec peu de chance a raté cette occasion. Et voilà, bien, vous voyez bien que les occasions s'enchaînent pour mon adversaire. Heureusement que mon gardien est présent, mais à la fin il va faire une petite boulette. Et il va marquer grâce à Pierre-Emerick Aubameyang. Et nous aussi on tente de répondre. Mais vous voyez bien que Neuer est toujours présent. Ça fout les boules entre guillemets. Et vous voyez bien que moi aussi
Je tente ma chance, mais malheureusement, les joueurs ne sont pas adroits et n'arrêtent pas de rater les occasions. Là, vous voyez bien encore Neuer qui intervient. C'est vraiment chiant, je ne vais pas vous mentir. Et voilà, avec un peu d'espoir, on tente notre chance, dernière chance à la 79e minute, mais ça ne marche pas. Ça change rien, nous avons perdu ce match. Donc voilà les gars, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, de vous abonner et de commenter. Et moi, je vous retrouve une autre fois pour une autre vidéo. Allez, bye bye, prenez soin de vous.